Pascal part en vacances au chalet avec toute sa famille. Son père décide de l'initier à la pêche. Le premier jour, Pascal pêche son premier poisson. Très heureux, il retourne pêcher le deuxième jour et il pêche deux poissons. Le troisième jour, il en pêche trois. Ensuite, pendant plusieurs jours, il pêche toujours quatre poissons. Les vacances de Pascal tirent à leur fin. 2 jours avant de quitter le chalet, Pascal pêche trois poissons. L'avant-dernière journée, il en pêche deux. Et finalement, la dernière journée de ses vacances, il pêche un seul poisson. Pendant ses vacances, Pascal a pêché 52 poissons en tout. Combien de jours les vacances de Pascal ont-elles duré? Rappelle-toi, le premier jour, il a pêché un seul poisson. Le deuxième jour, il en a pêché deux. Le troisième jour, il en a pêché trois. Pendant quelques jours, il en a pêché quatre. 2 jours avant de partir, il en a pêché trois. L'avant-dernier jour, il a pêché deux poissons. Et le dernier jour de ses vacances, il a pêché un seul poisson.